Chômage, c'est plus de moyens pour la police, moins de moyens pour les quartiers populaires, pour les soignants aussi, les étudiants. C'est un couvre-feu de 8 semaines. 8 semaines de couvre-feu, 11 morts. En 8 semaines, 11 morts. C'est la crise sanitaire, la fermeture des hôpitaux, le renvoi des soignants. Qui n'ont pas cédé à la vaccination. Même pas renvoyés. Et pas que les soignants, mais aussi les personnels administratifs de ces maisons médicales ou de ces hôpitaux. Voilà le quinquennat Macron. Les copains de Black Knight nous ont offert cette fresque pour vous montrer le quinquennat. Merci à eux. Ouais, non, en fait, on... Alors du coup, on me demande de clarifier pour les soignants. Les soignants n'ont pas été renvoyés, ce qui aurait pu leur admettre des prestations au chômage. Ils ont juste été suspendus. Du coup, ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs et ils ont droit à rien. Du coup, là, c'est pas... on y va, oui, on y va. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et nous, on est des terreurs pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. On va pas attendre les politiques, on va pas attendre les syndicats, on va être autonomes. Et nos luttes, elles vont être autonomes. Et aujourd'hui, on va avancer tous ensemble. Nous, citoyens des quartiers populaires, des campagnes, des villes, ensemble, on va avancer qu'on se traite un policier. On va inviter les personnes qui souhaitent prendre, les collectifs de famille, qui souhaitent prendre la parole, à s'avancer pour prendre la parole. Merci d'accueillir Awa, sœur de Babacar. Babacar, un jour a appelé les pompiers